Bricouri, nouvelle guerrière dans la République. Fantôme 609 retourné sous béton. Hier, il y a un paquet de dégâts qui fait. Il y a un monde qui dit c'est Fantôme 609 qui a frappé. Fantôme 609 retourné. Est-ce que c'est vrai, Fantôme 609 retourné sous béton? Ou pour gagner plus de détails dans un petit moment, puisque hier, il y a un groupe individu avec uniforme, la police sous yo, gros âme, 20 fois dans yo, qui t'a boulé caoutchouc, vina caoutchouc, allumette, gasoline et qui tire un pile cartouche, ou pral konnen exactement qui ça bagay lan ye. Gen update, gen nouveauté nan dossier lan mort Liliane Pierre-Paul. Liliane Pierre-Paul qui traversait, qui était journaliste vedette, journal 4 dans Radio Kiskeya, qui traversait nan date 31 juillet passé. Hein? Eh bien, nan dossier lan mort, gen update, ou pral konnen qui ça update si la yuye. Nan yon ti moment, CARICOM rentre bouchi toute longueur nan cause force multinationale lan yon l'autre fois. Eh bien, m'pa kache di ou, dossier force multinationale ça, dossier militaire étranger ça, qui continue à faire parler de li nan toute actualité. Hein? Eh bien, si nan moment là, continent africain tête en bas à cause intrusion pays occidentaux, eh bien, pays Kenya qui décide de prendre leadership, qui décide de prendre tête force multinationale, là, eh bien, les continuer à faire causer. Nous parlons exactement qui ça bagaille. Bonjour, bonsoir tout le monde, comment nous y est? C'est un grand plaisir, comme d'habitude, pour moi avec nous, pour me porter information pour nous. Pour être connecté à tout détail et cap dominer actualité à dans l'idée pour pas rater aucune information importante capitale qui concernait pays nous Haïti. C'est toujours un plaisir pour moi avec vous m'a rappeler ou sous TAC 509 tout haïtien connecté ou dans émission mon éditorial avec Yannick. Nous allons passer un bon moment information ensemble. Sou poko abonné, abonné à la chaîne, activez la cloche notification pour ne pas rater aucun détail. N'a pas commencé avec le dossier la mort Liliane Pierre-Paul. Liliane Pierre-Paul, qui était un journaliste très controversé, et nous avons dit que c'est un journaliste très critique de régime PHTK, eh bien, il traversé la date qui était 31 juillet passé, hein? Liliane Pierre-Paul, l'immobilier. Et nous ka di véritablement l'homme Liliane Pierre-Paul li ta pral secoué toile ta pral secoué pays et c'est une occasion tout pour nous garder pour nous positionner opinion publique là par rapport avec journaliste vedette journal 4 qui te kon passé sous radio Kiskeya. Eh bien, pendant période et pendant administration Jovenel Moïse, hein, pendant tout temps ça, Jovenel Moïse précisément est passé sous pouvoir dans notre pays, hein, nous t'apprenons gagner Liliane Pierre-Paul qui était très critique, nous t'apprenons gagner en radio Kiskeya qui était très critique par rapport avec Jean et PHTK, Jean Jovenel Moïse, Jean administration Jovenel dans ta mené pays. Hein. Et ça te vient faire un pile moun, ouais Liliane Pierre-Paul, ouais Radio Kiskeya, et c'est pas seulement Liliane Pierre-Paul, un pile l'autre journaliste comme opposant à administration Jovenel, là, opposant avec Jovenel Moïse. Mais malgré toutes sortes de condamnés, li évident et monsieur que président Jovenel Moïse te gagne un certain respect. Pour travail combat Liliane Pierre-Paul t'a mené pour liberté la presse pour démocratie t'es établi en dedans pays. Moi fait approchant c'est pour me dire que journée aujourd'hui Liliane Pierre-Paul qui traverse occasion là moi Liliane Pierre-Paul là il t'a pral permettre que nous pencher sous ça qui relait liberté la presse tout bon. Parce que faut moi dit nous Liliane Pierre-Paul il était bataille en pile il prend prison pour question liberté la presse c'est grâce avec bataille en pile l'autre journaliste et l'autre compère philo qui traversait l'autre Jean Dominique ou prend Liliane Pierre-Paul pile l'autre journaliste à l'époque de dictature ta bataille pour liberté la presse respectée pour journaliste qui a le droit pour parler qui a le droit pour critiquer un régime en place un pouvoir qui est en place etc. Son bataille acharnée qui t'a mené contre régime dictatorial du Valier jusqu'à ce que effectivement constitution 87 là li consacre liberté la presse qui baille droit
qui permettent que journée aujourd'hui hein moins qu'à parler Foucault qu'à parler et Esdras qu'à parler en pile l'autre journaliste qu'à parler qui permettent parce que nous qu'à critiquer un régime qui est en place, nous qu'à critiquer un gouvernement, nous qu'à critiquer action politicien yo a fait sans que nous pas inquiéter depuis nous rester dans la limite de la vérité. C'est bataille que prédécesseur yo te mené, journaliste senior yo, moun ki te avant yo te mené. M'pral pon exemple simple pour m'aider à comprendre tout ça nous a dit là yo. Nan chou ki se passé yo, pasteur Grégory Toussaint te organisé en marche et Chekina te organisé en marche côté que t'a mandé souffle pour Haïti. Nous bouquer avec mauvaise gestion, nous bouquer avec Jean Péri pralé, nous bouquer avec insécurité, souffle pour Haïti. Belle marche haïtien tout côté dans tout pays dans monde là prend la rue marche a réussi sous toile là en pile haïtien bat bravo même leur tout te gagné l'autre monde qui te compte même leur te gagné l'autre monde qui te re bagaille la mal même la grande majorité haïtien bat bravo yo félicité yo fier mais tout récemment là comme après le pasteur Grégory non prêche ta baille quelque part li diabolise de Saline qui c'est papa nation elle fait tout c'est l'ouverture parce que comme papa nation nous même haïtien encore sous tout réseau sous toute toile nous te senti nous offusquer nous dit faut Grégory Toussaint fait excuse li pas doué à jouer avec question bataille cette yoté mené li pas doué faire comme ça etc etc. Pour qui ça? Parce que nous senti bon monde qui a agressé histoire nous qui a agressé bataille ancêtre nous t'emmener bataille prédécesseur yo t'emmener donc bagaille la pas doit faire comme ça on comprend bagaille la pas doit faire comme ça c'est même genre pas vinn défendre Liliane Pierre-Paul m'pas vinn faire avocat post-mortem Liliane Pierre-Paul mais m'vle en tant que monde qui apprécie travail en pile jeune journaliste a fait sur réseau parce que journée aujourd'hui ou même qui dans diaspora ou même en Haïti qui pas bien accès à l'information qui en pile l'autre radio média traditionnel t'a caché un paquet de d'information t'a serré pour voler des tracteurs qui dans l'état yo cap gagoter l'argent cap voler l'argent t'a serré pour yo et bien nous même qui sur réseau nous pas nous serré cache nous dou vérité en janvier nous dou bagaille en janvier. C'est parce que tu es un groupe moun avant qui t'a mené en bataille pour gagner liberté la presse là. Je vous dis, nous devons considérer, malgré toute opinion qu'a gagné, malgré toute divergence d'opinion qu'a gagné par rapport avec position et Liliane Pierre-Paul te gagné dans la question politique, dans la question Jovenel ou bien régime PHTK, mais au moins pour un petit temps, pour apprécier le combat que vous avez fait. Ce n'est pas seulement le combat, un paquet de journalistes fait. Sous régime dictatorial, sous régime du Valier qui permet que journée aujourd'hui, qu'a gagne liberté la presse, qu'a gagne liberté la parole, constitution qu'a garanti ça. Donc c'est ça qui est extrêmement important, c'est cette parenthèse ça que nous voulons faire. Eh bien, qui update qui gagne, qui nouveauté qui gagne dans le dossier Lamo Liliane Pierre-Paul. Sous tout réseau, t'es bon cousin Liliane Pierre-Paul qui te fait connaître que Liliane Pierre-Paul li mouri non jus tomate, son jus tomate que belle si Liliane te bali après Liliane fin boue jus tomate là et puis Liliane Pierre-Paul t'a pral mouri. Eh bien, et famille Liliane Pierre-Paul rejeté de revers de main toute information ça yo, toute accusation ça yo que cousin te mette sous do belle fille. Eh bien, samedi 12 août k'ap vini là et bien c'est date que famille Liliane Pierre-Paul retenu pour yo et pour yo faire funérailles pour yo chanter enterrement Liliane Pierre-Paul un enterrement qui a organisé dans parc Sainte-Thérèse mais avant ça gagne 2 jours d'hommage qui retenu 2 jours ça yo 2 dates ça yo c'est jeudi 10 août k'ap bien pour vini là et bien gagne hommage k'ap fait pour Liliane Pierre-Paul dans palais municipal d'Elma et puis vendredi 11 août gagné et yon hommage yon cérémonie d'hommage qui a organisé dans radio Kiskeya pour tout le monde qui voulait venir Liliane Pierre-Paul yon hommage bien mérité pour bataille que t'a fait que t'a mené pour liberté la presse pour journalistes qui a gagné liberté pour yon parler pour yon exprimer yon libre liberté pour grand monde tête yon. Eh bien, n'a pas quitté le dossier Liliane Pierre-Paul là.
n'avancer dans ça qui gain pour avec dossier CARICOM. Mes amis Mounio, causez moi des chaises dans dossier force multinationale. Eh bien, CARICOM qui regroupe un total de 15 pays là, et déjà faut moi dit non, parmi pays membres CARICOM yo gagné Bahamas avec Jamaïque qui gain temps répondre favorablement là, qui est un petit doigt en l'air, yon pral fait partie de force multinationale là, yon pral gagner pour yon et soldat yon en Haïti pour vin aider PNH en fait face avec problème insécurité, problème gang, kap brase bil société. Eh bien, CARICOM, dans yon note, yon mette de yon, yon dit que yon espéré que Conseil Sécurité Nations Unies a approuvé mise en place dans une force multinationale dans le pays d'Haïti. Approbation ça, c'est une preuve. Engagement communauté internationale pour améliorer conditions sécurité et humanitaire population et puis soutenir rétablissement l'ordre et la loi dans le pays. CARICOM allait plus loin pour faire connaître que li déclaré li applaudi décision gouvernement Bahamas ak Jamaïque l'en prend qui accepte rejoindre pays Kenya pour contribuer dans déploiement yon force multinationale dans pays yon façon pour aider lever défi sécurité. Eh bien pour pays CARICOM yo là et yon très bonne décision qui prend pays Kenya non seulement pour une très bonne décision pour assurer leadership force multinationale là, mais tout pays qui membre CARICOM yo tankou Bahamas avec Jamaïque nan moment là son très bonne décision que yo prend pour yo rejoindre pays Kenya pour yo vin faire partie de force multinationale là. Mon mettant de toute sorte d'entendre là, on mettant de que Jamaïque décide voyer moun, Bahamas décide voyer moun, République Dominicaine dit li même li pa la dan etc. On mettant de toute sorte d'entendre. Si Conseil Sécurité Nations Unies pas décidé favorablement, pas bay approbation, pas bay aval yo pour gen déploiement qui fait en Haïti, toute sorte de la, tout lobby, quantité l'argent de kap dépense, kap sorti dans Washington, kap sorti dans l'ambassade d'Haïti dans Washington, nan, a jouen lobby américain reprend pour mettre du feu dans kanna pour motiver autorité américaine yo, pour motiver l'autre pays qui a gagné pour voter en dedans Conseil de sécurité des Nations Unies. Tout c'est corvé qu'a fait. Tout c'est corvé parce que véritablement en dedans Conseil de sécurité des Nations Unies, il y a deux pays, il y a la Chine, il y a la Russie. Bon, surtout dans moment là par rapport avec ce qui a passé sur le continent africain, par rapport avec ce qui a passé au Niger, par rapport avec tension qui gagne dans le pays Mali, tension qui gagne dans la Côte d'Ivoire, etc. Pendant ou tande, on paquet pays africain besoin pousser d'eau, pays occidentaux besoin pousser d'eau, la France qui vraiment implanté le sous continent africain besoin pousser d'eau, États-Unis besoin pousser d'eau, Canada en paquet pays occidentaux. Et bien la Russie lui-même l'a joué coin, l'a faufilé l'école, reprendre la fête école fait là pour implanter le sous continent africain. Mais gon bagaille qui vraiment important pour connait, pendant que la Russie a joué coin, la Russie a gardé Kizel Katli ka tiré nan jouet li pou garder comment le ka amadre pou le ka rentrer installer sur continent africain. Jouk nan moment n'a parlé à la toute avancée que pays Russie a fait, c'est plus nan sa ki gen pour avec aide. Jouk nan moment n'a parlé à la avec et responsable pays africain ou bien président ou bien et putschiste africain yo qui a dirigé là, qui a géré différents pays, que ce soit au Mali etc., que ce soit au Niger, pas gagné vraiment yon dialogue ou bien yon coopération qui a fait avec la Russie. Ou tande la Russie dit pas gen problème, li te rencontré avec Ibrahim Traoré pour Burkina Faso, pas de problème. Et te gagné yon sommet qui te fait et Afrique, Russe, etc.
Bien, dans toute déclaration, tout discours qui fait, c'est plus une question de aide liée, aide au développement. Alors que pays africains, yo subi, yo victime en bas pays occidentaux, c'est même pratique aide au développement. Pas de aucun pays qui a développé avec aide. Nous fait expérience pas bon côté la caïpa. Nous fait expérience avec Haïti. Depuis après le tremblement de terre et 2010, depuis après 2 janvier 2010, l'agence IRH yo dou aide au développement. Petro-Caribe yo dou aide au développement, etc. Qui ça nous est qui fait avec? Qui formule que nous utilisons pour et faire développement de nos pays? Nous parlons de corruption, yo gagote l'argent, yo dilapide l'argent, yo vole l'argent. Joune jodian, si véritablement pays Afrique yo, président, responsable, etc. en Afrique yo, les font bagay, yo vle soti. En bas griffe pays occidental, yo vle soti en bas griffe occident. C'est pas une question de aide au développement, mais plutôt son question d'investissement. C'est investissement qui fait pays développer. C'est pas une question ma pédo, ma boti petit blé, ma boti diri, ou reprenne, ma pote ti avoine pour. Non, c'est pas ça qui fait pays développer. Ça c'est subsistance, c'est des éléments de subsistance qui a aidé les populations qui ont 2-3 jours, comprendre, qui a aidé avec problème grand gros, mais on a toujours dans misère 10 ans après, on a toujours dans grand gros 10 ans après, Jean ça y en Haïti. Si tu as un investissement qui t'est fait en Haïti, je ne dis pas, nous pas côté nous hier. Et c'est une des raisons. Nous est régime PHK, nous est Mateli. Mateli fait payer en pile mal. Mateli fait payer en pile mal. Le Mateli vini, Mateli président en Haïti. Mateli vini avec un discours, Haïti ouvri pour business. Haiti is open for business. Tout le monde comprend que pral gen pile investisseur étranger pral débarquer en Haïti, pral gen investisseur étranger pral vin nan pays, pral gen outan lèk pral fè, pral gen gros gratte-ciel, gros building qui pral construire, etc. Parce que gen investissement, pral gen création d'emploi, chômage pral kaba, etc. Et puis tout bagay sa yo, c'était BS, yo te ye, reprenn? C'était parole en l'air yo te ye, c'était menti yo te ye. Yo fait propagande. Mateli passe tout mandat la fait propagande Haïti ouvri pour business. Et puis jusqu'à ce que Mateli allèl quitte pouvoir, c'est aide au développement, c'est Taiwan qui ba nou ti diri, c'est Taiwan qui ba nou blé, c'est Taiwan qui fait ceci et cela, pas gen rien de concret qui jamais réalisé, qui jamais fait avec aucun investisseur sérieux. C'est même bagaille la qui passé dans continent africain. Donc, je ne dis pas Kenya qui sont pays sous continent africain. Li décide pour venir en Haïti là. Li décide pour venir tabli kol dans le pays d'Haïti pour prendre tête en force multinationale pour aider nous combattre gang, pour aider nous combattre problème insécurité. Vous comprenez? Pour rétablir l'ordre, pour rétablir sécurité en dedans pays. C'est bien, c'est une bonne chose. De pourtant, de se rétablir sécurité, rétablir la paix, nous battons bravo pour ça. Nous battons bravo. Parce que c'est ça nous besoin. Un pays qui a fonctionné, tout pays noir qui a fonctionné dans le monde là, il y a un minimum de sécurité. Il y a un minimum de sécurité qui permet que investisseurs étrangers viennent créer du travail pour la population. Mais en Haïti, nous n'avons pas un minimum. Nous n'avons pas un minimum de sécurité. Ça vient de la cause, pas aucun autre pays qui prend nous au sérieux. Même États-Unis, Canada, différents pays ça qui constituent le corps groupe que m'ta parlé de yo hier là. Si yo te gade Haïti pour patate, nous t'a pour gè gros investisseurs qui sorti la caillo, qui viennent implanter gros business, qui viennent faire gros bagarre en Haïti pour créer travail pour bay malere malere travail. Pour qui ça yo pas fait? Pour qui ça yo pas fait? Moi même gros bagarre me vle haïtien retirer dans tête yo. Haïtien penser Haïti c'est ronde sante là. Haïti mette nan tête yo Haïti c'est pays qui comme si c'est pays communauté internationale la prend plus au sérieux. C'est pays qui gagne plus enjeu pour États-Unis. C'est pays qui gagne plus enjeu pour Canada. En pile acteur politique mette ça nan tête yo. Parce que avant virer, c'est États-Unis, c'est Canada, c'est pays ça a besoin pour vos émissaires, pour vos représentants, une résoudre crise, une parler, etc. Là, pays voisin, nous, République Dominicaine, nous pas prendre République Dominicaine au sérieux, mais c'est domaine qui prend nous très au sérieux.
Yo prend nous très au sérieux parce que yo garde nous comme concurrents yo. Nous bon pas que dirigeants sans coucha dans tes pays a pas réglé rien. Qui assure yo au lieu de créer stabilité, au lieu de créer conditions pour pays a avancer, qui t'a nan intérêt toute population, yo pito ap joué coin, yo volé l'argent qui t'a créé travail, yo volé l'argent qui t'a investi dans PNH, dans la police, pour non seulement augmenter effectif policier, yo, mais tout acheter munitions, acheter matériel pour policier, yo préféré détourner l'argent, ça, volé l'argent, ça, et nous n'en bouda camion. Eh bien, je ne j'ai dit, vle ou comprendre, Haïti passe ce monde là. Haïti passe ce communauté internationale là. Je ne j'ai dit, là, soit garder focus. Communauté internationale, focus yon se vers l'Afrique liye. Se vers l'Afrique liye. Qui réponse yon pral ba au Niger? Qui réponse yon pral ba au Mali? Qui réponse yon pral ba au Côte d'Ivoire? Qui réponse yon pral ba au Burkina Faso? C'est ça qui sent intérêt yon jounen jodi yon. Pendant nous même là, gen Moïse Jean Charles avant viré. Woy, la Russie l'vle, woy, la Russie, li pral parler avec Vladimir Poutine, c'est coopération sud-sud. Dat Moïse Jean Charles a monté descend, dat la vire on la fait à gauche à droite, qui résultat? Pour qui résultat? Moi je voulais nous suspendre Brandon Blofer, je voulais nous suspendre Quenan Blofer et tout parce que yo pas poté rien, yo pas régler rien. C'est parole fait temps passé, fait nous Quenan yo et puis au final c'est vent dans l'air. On est sérieux, yo pas régler. On est sérieux, yo pas régler. Et bien dans moment là, eh bien, jodi an la ki se mardi 8 août, eh bien, Conseil Sécurité Nations Unies ki gen pour réunir le 15 et kap gen pour venir la mardi prochain, mardi ki ap 15, yo pral pencher sou dossier haïtien, yo pral décider est-ce que pays Kenya ap gen pour le prendre et véritablement tête force multinationale là, est-ce que ap gen une force multinationale qui a existé, qui a gagné pour rentrer en Haïti. Mais bien avant et le 19 cap gagné pour venir là, ça son bail qui très contradictoire. C'est très contradictoire. Est-ce que Jean Delay, Jean Datio tombé a véritablement gon bagaille que nèg yo ta confirmé en dedans Conseil de sécurité Nations Unies? Parce que moi même pas fin trop comprendre. Le 15 août, Conseil de sécurité Nations Unies a bien pour le réunir sur le dossier Haïti. Pour yo connaître est-ce que a bon force multinationale ou non cap gagné pour venir Haïti. 15 août. 15 août. 19 août a gagné un comité d'évaluation et Kenya qui a gagné pour venir en Haïti, venir chita avec autorité et haïtienne yo pour évaluer situation Haïti. Donc, imaginez 15 août. Imaginez 15 août si Conseil de sécurité des Nations Unies dou pas de force multinationale. Donc, ouais, 19 août là pas existé. Donc, on pense véritablement et on pense véritablement date ça date 19 août yo kembe pour comité d'évaluation et Kenya vini en Haïti hein? Et 15 août là vraiment déterminant pour yo konnen si oui et a gen une force multinationale ou bien sinon pas gagner une force multinationale. Entre-temps, pays CARICOM yo continue à mobiliser secrétaire d'État et secrétaire général CARICOM nan et yo continue à mobiliser yo là pour yo garder et qui ça qui ka fait est-ce que ka gen plus pays membre CARICOM qui décide mette men nan pat la pour venir aider Haïti mais en attendant yo vraiment favorable avec une décision que deux pays membres nan CARICOM yo prend nan dossier Haïti. N'avancer sans camper, n'avancer parce que faut nous atterrir dans dossier et Fantôme 509 là. Nous songeons sous président Jovenel Moïse, tu es un groupe policier. Bon, nous avons une vidéo Fantôme 509. Bon, je cherche une vidéo pour me partager la voix, pour me faire revivre qui s'acte Fantôme 509. Bon, regardez, bon, regardez, bon, regardez. Parce que Fantôme 509 là, pour un pile monde, c'est un groupe policier. Et c'est un groupe policier qui t'a fait revendication yo passé reprendre Yannick Joseph qui était dans Fantôme 509 etc. Et t'es gros paquet l'autre policier qui t'a défendre pour tes gros syndicat dans la police et puis qui t'es tout faufilé rentrer dans groupe Fantôme 509 là. C'est par la suite nous pral connait que
Fantôme 509. Là, moi, je me toujours dit par rapport avec l'action que a posé, théoriser parents qui cherchent Timoun à l'école, théoriser Timoun qui a sauté l'école, bah, mon agressé, mon etc. Je me toujours dit, ça, c'est pas comportement policier, c'est pas travail policier. Moi, je me toujours, groupe Fantôme 509, là, comme un groupe de terreur, comme un groupe terroriste. Et bien, finalement, nous avons découvert que Fantôme 609, là, c'est groupe vite l'homme ni terre. C'est éviter l'homme qui t'a mis Fantôme 509 campé avec Nenel Kassi, André Michel, Beauplan, nèg qui t'a dans opposition politique en face Jovenel Moïse. Alors, m'a pas vidéo. Eh bien, Fantôme 509 là, pour quantité exaction yo fait, pour quantité action yo posé en dedans la République, pour quantité moun yo fait crier, quantité bien moun yo détruit, eh bien, ça pral gen une disposition qui prend en dedans direction générale et en dedans direction centrale police et judiciaire la DCPJ pour la guerre mandat pour la guerre avis de recherche de plusieurs individus gen ces policiers gen pas de policiers gen ancien et magistrat Port-au-Prince Yuri Chevry et qui lui-même yo te chita ensemble yo te planifié comment yo t'a pral mettre camper Fantôme 509 là. Eh bien, mes amis Mounio, j'en wap gade la nan vidéo, c'est groupe policier Fantôme 509 qui te prend la rue, qui te mobilise, etc. Bon, faut attendre, bon, faut gade tout kout, faut gade tout kout, comment Fantôme 509, comment yo te kon agi, comment yo te kon mette, comment leur mette pied ou atè dans la rue, qui ça te baye, en nous font ti revive action Fantôme 509 yo, pour nous rentrer directement après dans l'action qui passait hier dans la zone Carrefour aéroport devant ONA. Et puis, on va gagner tout le détail, tout ça qui t'est passé hier. On va gagner pour nous faire entendre Lionel Lazare, qui se porte-parole Sinapowa, syndicat policier. On va gagner tout le détail. On nous revive. Et comment Fantôme 509, comment on était agi, là, on va la rue. Même gens, la convine, voit nous tous, Léon Charles. Nous sommes là, nous tous zombies, nous sommes là avant hier, hier soir. Nous sommes venus dans la base. Nous sommes pas menti, nous sommes pas en espoir que la vie nous a changé. Nous connaissons menti. Mais déjà, vous dites comme ça, qui est la raison qui fait prendre tête pour les sangs, c'est pour faire contre carré, mais c'est Fantôme 609. Si vous voulez contre carré, nous n'avons pas comment vous faire ça. Vin sous béton, hein? Quand les zombies même avec nous, les dans le cimetière n'a pas compté pour nous. Mais si c'est des amis pour rien, des gens, j'en vois nous pas de temps, non, mille rangs, mon sang, des gens nous pas en paix, tout. Mais ça, je prends un poète, c'est pour te s'épayer à 100 jours. 100 jours, nous voulons ouvrir les oreilles pour tenter. 100 jours, à chaque fois, Fantôme 509, pour la rue. Pour dire à les policiers vivants que nous-mêmes, nous venons défendre notre droit, notre intérêt. Nous venons demander pour que nous vivions. Nous venons toujours penser à pour dire que stopper nous sommes capables. Nous, est-ce que nous, nous, là, c'est groupe policier Fantôme 509, un groupe policier qui est là-dedans, gang, tout, bandit, tout, parce que tu as de vrais policiers là-dedans, mais comme ça, tu as un paquet de gang, un paquet de bandits qui est dans la base, vite l'homme innocent, qui t'a frappé sous terrain. Moi, une question m'a posé tête, moi, et pendant ma préparé émission, je me dis, bon, véritablement, il y a un ami qui dit que il y a un groupe nègre qui habille avec uniforme la police, qui nous aurait qu'un. Qui gagne plaque, yon gagne diverses qualités plaque, yon gagne plaque police, yon gagne plaque service de l'État, yon gagne plaque officielle. Nan machine nan, on boit écrit police, on boit écrit DCPJ, etc. Mande tèt mwen, comment te fait facile comme ça pour bandi vite l'homme yon qui te vini rejoindre policier yon qui te mette kampe Fantôme 509 lan? Comment te fait facile comme ça? Pour nèg yo te gagne diverses qualités uniforme la police. Quoi la complicité qui est? Est-ce que c'est complicité ancien DG la police ou bien te gagne l'autre moun nan ou état major la police qui yo même qui te infiltré gang mouvement groupe terroriste Fantôme 509 là ou bien c'est à travers même politicien yo? Parce que jounen jodi an la
Bandit et l'homme, yon toujours continue à faire kidnapping avec uniforme la police. Yon toujours continue à faire patrouille dans la rue avec uniforme la police. Débarquer la caille moun, débarquer dans cabinet avocat, débarquer dans clinique médecin, habillé avec uniforme la police, avec accompagné de un fake juge de paix, vin bote moun, vin kidnapper moun. Allez! Avec complicité qui est, comment le fait est facile, il était easy comme ça pour nèg te procurer un uniforme la police. Donc comprenez bien, jour nan moment n'a parlé à la comme lumière pas de jambe fait sous question fantôme 609 là, ça prouve que en dedans la police sont toujours gien konze, en dedans la police sont toujours gien moun qui a lié gang vite l'homme non, qui a lié corps fantôme 509 que vite l'homme te créé, qui toujours ap simaye la trouble en dedans pays. Donc bandi yo ki gien facilité pour yo gien tout uniforme la police, c'est parce que yo gien on aisance. Yo gen moun en dedans l'état, yo gen moun nan classe politique la qui influent en dedans pouvoir l'état qui facilite yo joine. Donc haïtien même haïtien comprenne bien tout jon viré pozol lan, tout jon viré jouet lan, nous prend. Nous prend nan mera parce que gang kap terrorize nou yo yo jwenn support. Yo jwenn support autorité dans la police, yo jwenn support autorité dans l'état. Yo jwenn support et moun ki au plus au sommet kap dirije pays. Koun ya ou même nan situation sa, question pour nous poser tête non, parce que y a un gros incident qui passait devant ministère de la justice. An nous gade avec vidéo ça, an nous gade avec moi vidéo ça, devant ministère de la justice. Voilà, mesdames, messieurs, je n'attendais à là devant le ministère de la justice. Voilà, 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 mesdames, messieurs. Nous, devant le ministère de la justice, là, et nous obligés de coucher à tes plates. Devant le ministère de la justice, nous est là. Nous obligés de coucher à tes plates. Je n'attendais là. C'est coup de balle, hein, c'est balle. C'est balle, c'est balle. C'est balle qui a tiré là devant le ministère de la justice. Faut que nous disions, manifestants qui ont descendu très paisiblement, eh bien, on a arrivé devant le ministère de la justice. C'est beaucoup de balle. Voilà, mesdames, messieurs. Voilà, voilà, mesdames. Voilà, balle, balle, balle. Voilà, mesdames, messieurs. Voilà, voilà, mesdames. Voilà, mesdames, messieurs. Voilà. Et manifestants qui t'a fait. Voilà. Voilà, mesdames, messieurs. Voilà. Et voilà, mesdames, messieurs, voilà, et manifestants, la police qui disperse foule, la police disperse foule, voilà, voilà comment la police disperse foule là devant le ministère de la justice, hein. C'est comme ça la situation est là, faut que nous disions, devant le ministère de la justice. Ça, on se regarde là, c'est exactement devant le ministère de la justice. Hier, pas caché, dis-nous, pas de groupe policier qui a fait revendication, il est passé. Qui considère yo, yo se petit soyet, malere malere, fok doit respecter, mais yon l'autre groupe policier qui yo même a fait job sale. Oui, fok policier a fait, et oui, fok policier a géré périmètre côté lié, fok li sécurise bâtiment public, etc. D'accord, etc. Mais l'or a un policier qui a fait usage abusif, gaz lacrymogène, sous moun qui a manifesté paisiblement, qui a mandé autorité sans koucha yo pour yo protéger vie yo, pour protéger bien yo, pour yo garantir sécurité yo. Et pour ce traitement ça que la police a bay manifestant yo, posez tête ou question pour qu'on est véritablement sous pas vendre dans zobo. Posez tête ou question pour mander est-ce que journée jodi a moun sa yo ki nan tête l'état, est-ce que yo pas plus à protéger bandi yo, gang yo? Au lieu que yo protéger citoyen paisible, honnête citoyen que bandi a mette de yo la kayo. Parce que comme vous comprenez, journée jodi an, moun pèdne pa karite la kayo à cause gang vite l'homme, moun ta batosel pa karite la kayo à cause gang vite l'homme, moun kafou fey sa ren pistache pa karite la kayo à cause bandi grand ravine, moun pa kapase matisa à cause bandi grand ravine, moun kwa de bouke gon gang 400 marozo, moun kanare gon gang 400 marozo, moun li la voa gon gang 400 marozo, gon gang kanare ki nan de gwen yo ka final avec yo. Au final, qui est autorité à protéger si ce n'est pas bandit? Parce que vous avez un côté fief, tout bandit,
yo kon kote tout gang yo positionné yo, et pourtant c'est malheureux, malheureux, c'est moi même, c'est ou même son l'autre. Là nous prend la rien pour nous dire Ariel fait job, Ariel sou pas dans gang, ba nous sécurité, Ariel sou pas supporter bandi, ba nous sécurité, faut que PNH mène opération pour finir avec cause gang, cause bandi, et puis c'est nous même y a fait répression, c'est nous même y a utilisé balle réelle, c'est nous même y a pas agressé, c'est nous même y a envoyé policier touye. Et policier ça en vérité yo pa ka touche, policier ça en vérité yo pa ka paye kay, en vérité madame yo pa bien vivre, petit yo pa ka l'école, yo gen 7 mois, yo gen 8 mois, yo gen 10 mois, yo pa ka touche, etc. Qui est autorité à protéger sinon que bandi yo? Nous même citoyens paisibles, citoyens honnêtes, la vie nous pa konté. C'est grave, vous n'entendez bandi rentrer dans kay moun. Yo a fait maman coucher à petite. Yo a fait papa coucher à petite. Bon, faut attendre. Comme si ça n'a pas été autorité. André Michel qui t'a fait mon prend Jovenel Moïse pour bête noire. Pour assassin, pour criminel, comme moun qui toujours planifie massacre, etc. Qui te dit au Picasso, Steven Benoit après, et Jovenel Moïse finale, kidnapping a fini net dans le pays, etc. 2 ans, il a fait exactement 25 mois, il a pu assassiner Jovenel Moïse. Qui ça a changé? Qui ça a changé? La sécurité? Grand goût fini, misère fini, dans l'école, j'en ouvre, dans l'enjoy, dans notre programme. Geti programme bon la ka ou geti sourit bon la ka ou encore mais vacances liye ki championnat ka fèt nan quartier yo. Ki championnat ka fèt nan quartier yo, c'est fini. C'est fini, nou pa ka pran plaisir, nou pa ka gen loisir encore. Pa la constitution garanti pour nous prendre loisir etc., pour nous enjoy nou côté yo. Qui est-ce qui pral garanti sécurité nou? Qui est-ce qui pral ba nou sécurité? Donc comprenez bien journée jodi an son complot nèg sa yo fè. Ariel pa gen aucune opposition, pa gen opposition parlementaire en face. Li pa gen opposition politique en face, li pa bon ken moun ka pou merde. D'ailleurs c'est pas en merde Ariel li. Sou rele Géo la, Géo Abdou pa en merde Ariel Henry. Plus on merde, c'est plus temps la passe sous pouvoir. Et puis journée jodi an la. Journée jodi a criminel sa yo, criminel avec sa yo mette avec criminel sa pa sa yo pour continuer touye nous et puis n'a pas accepté. Eh bien, il y a un groupe policier qui estime qu'il faut que vous fassiez revendication. Vous avez madame, vous avez petite, c'est petite soeur et tuer. Nous ne sommes pas dans des petits bras, des petits acras. Et nous ne sommes pas dans des petits mains, des petits meuses. Nous ne sommes pas dans la police. Nous ne sommes pas dans des agents et des agents. Nous ne sommes pas dans des agents Simo, Udmo, etc. Il y a un bal marron, etc. Nous ne sommes pas dans ça. Eh bien, vous même. Qui a bail, qui a risqué la vie, yo. En bas soleil chaud, en bas la pli, yo voye yo al nan opération, yo voye al nan mise. Ça comme dit nous, PNH en divisé en deux groupes. Gon groupe policier choul, gon groupe policier qui décide yo même ouè klek allégé yo. Eh bien, yon gon situation qui passe devant ONA, côté que, gon groupe policier qui décide débarquer, zam yo nan men yo, caoutchouc, gasoline, allumette, yo mette caoutchouc, boule caoutchouc. Yo mette du feu devant barrière on a j'en regarder dans vidéo là parce que yo même pas date yo mande un petit prêt dans on a yo pas ka joine ni et pourtant de nèg ak femme a prend l'argent dans on a à l'acheter machine ça ka pas acheter machine bay femme ça ka pas acheter machine bay garçon ça ka pas acheter caille ça ka fait poulailler ça ka fait 10 ça ka fait date et puis ou même ti malheureux malheureux ka contribuer pas gagne droit prêter l'argent. Eh bien, groupe policier ça a dit, jamais au grand jamais, fuck revendication satisfait, yo kembe la rien jusqu'à ce que revendication satisfait. Eh bien, qui ça qui gagne? Gagne directrice ONA qui publie en note qui fait qu'on est son groupe individu qui habille avec uniforme la police, gros âme nan men yo, qui a tenté assimiler policier ça avec policier fantôme 509. Eh bien, di clarification qui fait dans le dossier ça, m'bral permet tout en de Lionel Lazare, qui se porte-parole Sinapoa en syndicat de la police, qui baille tout détail sur ce qui est passé hier. Dans le cas de foire, devant ONA,
ou ap genye plus detay sou dossier sa yo pral finalement réaliser que policier sa yo ki ta fè revendication yo passé hier lan li pa ganyen pou wè avec Fantom 609 mais plutôt c'est policier qui estime que droit yo lésé fòk yo fè revendication yo passé en outre n'a pas retenu effectivement depuis hier genyen yon mouvement qui lancé devant bureau ONA c'est des policiers bien avisé qui fait demande près dans ONA qui lancé mouvement ça mais à mon grand étonnement nous voyons que direction générale ONA sorti en note li fait qu'on est que c'est des individus avec uniforme cagoule et n'a dit directeur général ONA que policier moun sa qui était devant ONA c'est des policiers durement identifiés et c'est des policiers qui fait prêt dans ONA. Nous te connaissons qu'il y a cherché l'étiquette quand même pour mettre sous deux policiers parce que eux-mêmes ils vont faire travail. Yo. Nous dénoncer, nous continuons à dénoncer comportement dirigeant ONA. Yo, côté que c'est pour faire, il a fait policiers. Vous voulez tout le monde comprendre que c'est pour faire ONA a fait policiers. C'est des policiers qui contribuent dans cadre d'un programme, yo prend comme sur yo chaque mois et bien journée jodi a là, yo fait demande prêt depuis 8 mois, yo pour rejoindre ni. Le pire, en province yo même pi mal, ça gagne 3 ans depuis y a touché comme son paquet de policiers dans sud, dans Jérémy et dans au Cap-Haïtien, dans Jacmel tout côté. Et bien même cap ona pour que j'aime délivrer avec police ça pendant ce temps il y a touché comme sur yo chaque mois et donc nous dénoncer comportement dirigeant ona yo qui pas prend au sérieux question ona police là et nous croyons que journée jodi là li important par rapport avec ça qu'a fait là journée jodi là nous te parle avec directrice ona sur ça qu'a passé yo nous est que li traité de policier aux gens que li traité yo et n'a lancé message ça ba responsable na yo pour nous dire ressaisir que nous même au niveau sénatoire nous appuyer toute forme de mouvement pacifique que police a fait pour faire responsable na yo qui ça blocage là et qui ça expliquer parce que moi dans notre tantôt je parlais de rencontre qui était faite soit vendredi et pour capable garder comment est capable résoudre problème ça qui ça dit qui bloquer pour ces choses jusqu'à présent yo pas jamais dit qui côté blocage là yo pas jamais dit il a parlé de rencontre qui était faite avec responsable au niveau la police bon nous pas ouais que la police parlait de rencontre qui était faite nous pas connait qui est-ce que yo té rencontré donc si bon blocage en côté c'est pour ONA dit que on blocage en côté mais raison qui fait là ou ka imaginer policier fait demande prêt depuis 8 mois et y a touché cob sou yo chaque mois finance tout prend cob là sou yo qui donc nous croyons que faut dirigeant ona yo ressaisir et nous même au niveau sénat pour agent que m'dou là n'a assisté policier n'a pas accompagné policier parce que n'a travaillé pour bien net ces policiers et responsable ona yo jusqu'à semaine ça là pour yo dit ça di avec policier parce que policier fait prêt yo pas attendre encore yo pas ka kembe dirigeant ona yo gen jusqu'à semaine ça là pour yo dit ça di avec policier sinon n'a continuer assister policier n'a continuer accompagner policier ça c'est méchanceté que lié c'est méchanceté directrice ona li parle entendez que yo parler gen moun nan ona qui pas ka faire prêt et puis tout y a fait policier prêt. Si on police a vint dans un chèque, y a dit policier a puis qu'a met uniforme sous lui pour l'autre employé, pas ouais que policier a vint dans un chèque. Moi même crois que ça li pas bon et c'est pas on et pas mandé police a vint demander, c'est pour faire avec on a fait policier ou pas casser ou même cap dit policier a puis qu'a dit l'autre policier c'est a ba chèque, puis qu'a vint avec uniforme parce que gen moun nan ona ki fè demande prè ou même ki employé ki pa ka joine ni yo pa vle wè c'est policier ki bay y a pa chèk et donc nous même n'a continué dénoncer ça et mobilisation a continué sans violence sans rien pour nous forcer responsable ona yo tande la raison parce que nous plus wè que pas tande sacré les raisons et n'a continué assister n'a continué accompagner pour le policier Roman, moi pour finir et m'bagan pile ba m'bral di non
Et moi, je voulais les policiers comprendre, yo c'est petite soyette, yo pas petite gros bourgeois, yo pas petite oligarque, yo sorti dans peuple là. Yo sorti dans simple peuple là, dans masse peuple là. Et hier, incident ça montre nous qui t'est passé devant ministère de la justice, côté que policier a utilisé, a fait usage excessif gaz lacrymogène, espace tout blanche, moun pa wè moun, a utilisé bombal réel sous population, faut que bagay sa fini. Parce que m'pa kwè li aussi facile pour n'a prendre l'ordre nan men état major la police, pour n'a prendre l'ordre nan men ministre, pour n'a prendre l'ordre nan men commissaire, etc. Kap di nou ouvert bal, kap di nou bay gaz, plein yo gaz, etc. Et puis pour n'a fèl avec on aisance, avec on rapidité. Alors que population revendication moun yo a fait passer à li juste. Li juste parce que le bandi tou yo comme policier, le bandi fon tête tout comme policier. En pile fois même enterre ou pas ka enterre. En pile fois après au fin sous une chance ou enterré. Petite madame ou kite a pas bien vivre non après. Parce que c'est ou même qui t'est tout yo, c'est ou même qui t'est tête famille, qui ton paquet moun nan misère. Mais journée jodi an, si policier yo te choisi camper pa bon côté population, te mette nan tête yo, yo sorti nan sin peuple, yo se masse peuple tout. M'bon garanti. Ti incident nou wè ki passe devant Ona côté policier te bay prêt, te al propre nan Ona, yo pa jam bay policier prêt et puis gros auto bras prend 2 millions, 2 millions, 2 millions sous 50, 70 ans. Nou ta pran nik di peuple la, nou bezwen nan Ona, yo ta pleve avec nou nan Ona. Yo t'a campé avec nous et rapide vite de battement s'il toute bagaille ça yo t'a résoudre mais comme nous préférer prendre l'ordre dans mes politiciens sans coucha nous préférer prendre l'ordre dans mes politiciens gang dans mes bandi avès cap di nous al marcher sous fiel peuple al touyer peuple journée je dis là nous nan on nous pour nous là nous nan on nous là nous nan problème nous peuple a quitter nous nan problème nous pour nous. Parce que nous pas choisi camper avec peuple, nous choisi prendre l'ordre pour nous touiller peuple et garder avec qui aisance. Garder avec qui aisance, yo faire nous marcher sous fiel population et puis bandi yo kon côté tout bandi caché. Yo kon côté tout bandi, yo pas jambe ba nous l'ordre pour dans marcher sous fiel bandi comme ça. Yo pas jambe ba nous l'ordre pour nous stopper bandi comme ça. Dan pourri comment on dit ba là dan pourri sous banane 1000 renforce. Tout dans pourri c'est sous banane 1000 renforts. Jodi an là, peuple en c'est banane 1000, la police cap utiliser et bombe al réel sous manifestants, yo cap utiliser paquet gaz lacrymogène sous population. Vous comprenez? Et dans pourri. En tout cas, l'histoire nous dira qui sera le gagnant, qui sera le perdant. L'avenir nous dira le reste. Merci tout le monde. Rendez-vous en casse. Nous avons l'autre émission demain. Pas rater sous aucun prétexte. Restez connectés avec la plateforme pour la programmation. Merci tout le monde. À très bientôt. Mes amis, attendez ça. Où c'est haïtien, où est mes pays, et bien, on agit. Mon éditorial. Désespoir de machination politique et l'ennemi. Mon éditorial vous dit tout. Mon éditorial. Émission Mon éditorial, c'est espace analyse, débat contradictoire sur tout détail sociopolitique qui domine le pays d'Haïti. Mon éditorial. Sauf si lundi pour y faire vendredi, depuis fait 2 heures, que chez Chanel par là pour qu'à bien informer avec Yannick. Mon éditorial. Nous bras la balle pays, nous bras le fait débat, c'est toujours même Yannick, l'en même voix.